présentation familiale. Tu cherches une balance avec les yeux. Hein, voilà, tu sais. Oui. 50 crétins au Parlement, oui. Plus la totalité de la Commission européenne. L'administration de la déclaration de sa déclaration de sa inacceptable. Oh, je suis du star. Appelez-vous ? Alors, on est la compagnie du Lysandor. On vient de présenter un spectacle qui s'appelle L'éveil du dragon. Et pourquoi ce spectacle ? Pourquoi vous avez eu envie de faire ce spectacle qui s'appelle L'éveil du dragon ? On travaille en fait sur le médiéval fantastique. On avait envie de créer une marionnette de dragon. C'est juste pour ça, vous vouliez créer une marionnette de dragon. C'était votre objectif dans la vie, vous êtes dit, tiens, je vais créer une marionnette de dragon. On fait des spectacles pour faire rêver les gens, les faire réfléchir, mais en douceur pour les faire évader. Et un dragon, c'est quand même pas mal. On change de place ? Vas-y. Vas-y, pose-moi une question. Et d'où vous venez ? Bonjour, je m'appelle Arnaud, je fais partie de la compagnie du Lysandor. Tu vois, je suis plus pro que toi. Hein. Nous venons du côté de Rennes, car nous aimons la Bretagne, hein, l'imaginaire celtique, fantastique. Et alors pourquoi vous mettez des masques ? Voilà. Eh bien, on met des masques pour se cacher, parce qu'on est assez laid de visage. Non. Et on a tendance à avoir des éruptions de boutons assez violentes. Et du coup, ça vient pas du tout de la Commedia dell'arte, par hasard. Ah, alors, passez là, je vous pose la question. Bonjour. Alors, pourquoi les masques ? Et bon, on a une formation de comédiens traditionnels, mais également de comédiens de Commedia dell'arte. La Commedia dell'arte, c'est un art qui date de 1400 avec des brouettes, 1450, qui est un art qui a été fait par les comédiens italiens. Et c'est un art très codé, où on doit s'exprimer avec avec le corps, avec les gestes et avec un masque. On se cache pour mieux se moquer des grands de ce monde. Oui, parce que dans le spectacle, j'ai cru entendre que vous brocardiez un peu Manuel Valls ou Angela Merkel. Oui, on met un peu de... Ça reste fantaisiste, mais on essaie de mettre un peu de politique pour faire quand même réveiller les consciences. On change, peut-être.
question. Et alors c'est un spectacle tout public ou pour enfants? Et tout à fait, on aurait pu croire que c'était un spectacle pour enfants, mais non, c'est pour ça qu'on fait des petites pirouettes sur la politique, la situation économique, ce qui permet de capter l'attention des plus grands. Ce qui fait que les petits rigolent à des gags, mais les grands vont rire à des blagues qui ne sont pas pour les petits. Mais bien sûr, il n'y a pas d'obscénité et tout va bien. Et le caméraman, vous le trouvez comment? Le caméraman est assez classe. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est sa chemise, ce petit côté bûcheron mais classe, parce que les chemises à carreaux reviennent énormément à la mode. Tout ça avec une veste, ce qui donne une certaine classe un peu à l'anglaise, vous voyez, avec cette chevelure grise dans le vent qui est très chouette. Est-ce que vous pouvez citer le site de la compagnie de Lysander? Bien sûr, si vous voulez aller voir la... Parce qu'avec le son. Si vous voulez voir la compagnie du Lysander, c'est www.lysander.com. Et plaignez-nous Lysander, vous serez sympathique. Bien sûr, Lysandore. Vous avez des web-séries et tout plein de jolies choses à voir. C'était bien, hein? Ouais, attends, je vais te dire au revoir. Vas-y. Eh bien, au revoir, à bientôt. Écoutez, merci beaucoup pour cette interview. Vous avez été incroyable. Merci. Bonne route au Lysander. Et rejoignez-nous vite sur notre chaîne YouTube pour d'autres documentaires. Au revoir. Alors, pas au Bran, on vient de la région de Saint-Malo. Donc, ça fait à peu près 20 ans que le groupe existe. Et donc, c'est Philippe à la cornemuse, avec son kilt, Kevin à la bombarde, Gaëtan à la percu. Moi-même, c'est Chantal. Et puis. On peut nous retrouver dans toutes les fêtes de la région. On a un petit site, c'est paobran.com. Voilà, et puis... Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Thank you.
passage. C'est moi. Quand t'aimais, tu seras mon ménage. 20 ans de 15 ans.